Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo guide sur Genshin Impact. Bon, les gars, moi je pars du principe vraiment que l'archipel de la Pomme Dorée, vu qu'elle dure que 6 semaines, toutes les quêtes et tous les prix, moi j'aime à gratter, faut les gratter, les gars. Moi je suis un gros rat, je vais faire toutes les quêtes. Et pour les quêtes où ça demande un peu d'énigmes, tout ça, je pense que vous en faire une vidéo. Là, du coup, pour celle-ci, pour les lieux, tout ça, je trouvais ça intéressant de la poster. Au total, durant cette quête, on va gagner à peu près 90 primogèmes plus un objet pour la sérénité hier. Donc franchement, ça régale. Donc sur ce, je vous laisse sur la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et aussi également, si mon micro se détériore un peu, je sais pas pourquoi, je suis désolé. Je sais pas pourquoi il a pété les plombs pendant le tournage. Mais ça devrait aller. Donc sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Donc les gars, la quête, elle se passe au domaine de Fischl. Il faut vous téléporter directement au donjon de la nuit éternelle, parce que si vous vous téléportez en bas, et ben vous serez tout en bas. Donc autant monter tout en haut, on se téléporte directement en haut du château. Et là vous allez voir, on va avancer par là et il y a une quête qui va spawn. Voilà. Moi je gratte toutes les primogèmes. Ok, la quête se lance. C'est parti. Bon les gars, pendant cette quête, je vais vous épargner les dialogues parce que bah, vous les verrez directement quand vous ferez la quête. Comme ça, si vous voulez les lire, bah, vous pouvez les lire directement dessus. Moi là, je suis là juste pour vous guider, pour montrer un peu comment ça marche. Un théâtre de qualité en tout cas les gars. On se régale. Ah, il y a une lumière qui s'est allumée. Ah, et il y a un perso qui... Hop. Mais qu'est-ce que tu... Ça va, calme-toi, calme-toi. Hop, on prend le perso, enfin le corbeau, hop, on le place là. Pourquoi lui il a une boîte de conserve sur la gueule là? Ah, c'est un casque. Bon, excusez-moi les gars, excusez-moi. Ah. Ok, comme vous pouvez le voir les gars, il y a deux moitiés, donc je suppose qu'il va falloir du coup faire les deux moitiés. Du coup là, on joue la deuxième moitié, c'est parti. Ok les gars, du coup il y a des petites statues qui viennent de spawn. Du coup, on va prendre celle-là en première. J'ai pas envie d'écouter ta réplique, je suis désolé, mon ref. Tiens. Ok. Voilà, monsieur. Ok, on prend le dernier du coup qui est au centre. Hop là, voilà. Ok, les gars, c'est bon. Ils ont fini du coup de raconter leur vie. On peut récupérer le coffre délicat. Les gars, la première scène à trouver se situe là. C'est parti, on y go. Allez, c'est reparti, les gars. Il y a des petits persos qui ont spawn. On commence du coup par le bougo casque là. Hop, on pose. Ok, donc maintenant on prend celui qui était juste à droite encore. Voilà. Allez, hop, on prend le dernier. Vas-y, mon ref. C'est à toi de rentrer en scène, régale-toi. C'est terminé. Encore un petit coffre. Hop. 9 primogèmes au total. Maintenant, on assiste à la seconde moitié. Ne vous trompez surtout pas, les gars. Parce que si vous mettez ça, vous êtes reparti pendant 30 minutes. Ok. Donc là, on prend celui qui est tout en haut. Hop là. On va le poser tranquillement. Maintenant, on prend celui qui est à gauche. Hop. Maintenant, on prend celui qui était derrière. Vas-y, viens. Non mais... Salut mec, tu viens d'où? Hop, vous te chopez par callback. Hop là. Lui ça va être le remplaçant et en fait le mec à la boîte de conserve on le récupère après. Voilà. Allez mec, c'est tout le monde briller, c'est parti. Oh, let's go. Ok, on est à 19 primogèmes les gars, je compte hein. Les gars, ne rigolez pas, quand je vous dis que je suis un vrai rat. Là on est à 19 primogèmes. Du coup là on va se téléporter là les gars. Enfin on va se téléporter. On va s'amuser à aller jusqu'à là-bas. Ok les gars, on a la nouvelle pièce. Donc on retourne sur le panneau. C'est reparti pour un maximum de plaisir. Donc là les gars, on doit prendre celui du centre. J'arrive pas à parler tellement que cette quête me rend fou les gars. Ok, maintenant on prend celui de droite. Hop là. Ok les gars, il est invisible. Mais c'est pas grave hein. Hop, ça le prend par le callback et ça le pose. Allez, ok les gars, c'est terminé. Et c'est parti pour la seconde moitié. Ok, donc là les gars, on va prendre celui de gauche. On place. Ok, du coup maintenant on prend celui du milieu. On prend celui de droite les gars.
Allez, pose ton petit cuir ici bien chaud. Oh! Oh, ça c'est un mangeaille. Donc les gars, c'est juste ici en fait, c'était caché. Hop. Donc vous allez devoir vous rendre juste ici. On prend le téléporteur et pas le donjon, parce que là on va être en bas en fait. Du coup, ouais, c'est par là-bas. Salut les refs! Ouais, bah c'était sûr. La troisième pièce, donc on va assister à la première moitié, c'est reparti. Ok, on nous demande assez rapidement en fait de placer les persos. Du coup, le premier c'est celui de droite. Après, on prend celui du milieu. Allez, encore deux petits primos. En fait, cette quête c'est un petit peu de la souffrance pour moi, les gars, je vais pas vous mentir, mais au moins ça rapporte des primos. Ok, on commence par la gauche. Ok les gars, hop, 10 primo en plus, ça fait plaisir. Maintenant on doit parler au chef de troupe. Ok, donc on doit aller juste là-bas, il n'y a pas de TP, donc on y va à pied. Ah. Ok les gars, on assiste à la pièce finale, c'est parti. Donc, on commence par celui qui est le plus à gauche. Hop. Et donc le dernier. Ok les gars. Hop, le coffre. 5 petits primogèmes, on part pour la moitié. Ouais. Donc les gars, en fait, là, je rigole parce qu'en fait, les gars, actuellement, vous allez voir vraiment tout en séquencé, du coup, pendant la quête, parce que je vous mets pas les dialogues. Mais sachez que là, actuellement, ça fait 55 minutes que je rec. Et en fait, je me dis, c'est vraiment, en fait, la quête est aussi longue que les quêtes principales du séjour de la mer. Un petit peu moins peut-être, elle va faire un petit peu moins, mais quand même 1 heure pour ce truc. J'ai envie de tout casser les gars, vraiment, je suis à bout. Je suis au bout de ma vie. Des fois je parle même pas quand je prends les bails. Oh, j'en peux plus vraiment, c'est abusé. Du coup on prend le dernier. Hop, allez. Je t'en supplie. Faites que ça finisse. Ok, encore 10 petits primogèmes, ça régale. On parle au boug. Vraiment, c'est incroyable. Non, je te jure, c'est incroyable. Non, mais n'en dis pas plus, vraiment. Voilà. N'en dis pas plus. Ok, on doit prendre une photo. Let's go. Ouais, vas-y, prends la photo vite, je t'en supplie, gros. Allez. Hop, parlez au chef de groupe. C'est fini. C'est fini. Oh, c'est fini, les gars. C'est fini. On a gagné une petite photo souvenir pour la sérénité, ça régale. C'est fini, les gars. Je suis galéreux la vie. En tout cas, je vous donne toute ma force, les gars, pour faire la quête. Après, si le théâtre, tout ça, ça vous intéresse, bah, tant mieux pour vous. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Donc, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. Sur cette chaîne-là, ces derniers temps, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir là, avec tout ce qui arrive avec l'archipel de la Pomme Dorée. Je tiens à faire le plus de guides possible pour que vous ne loupez rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Lâchez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour de nouvelles petites vidéos guides. Ciao tout le monde. J'ai bégayé, frère, c'est trop.